Salutations YouTube, merci au Radix, Swinge pour les Prime, Doudim également, nous, ainsi HV1 pour le siècle, nous allons jouer Tainted Eve qu'on vient de débloquer. Les persos alternatifs de repentance. Deux cœurs, trois en speed, un seul point d'attaque. Sumptorium. On joue en hard, bien sûr. Oui, les musiques sont libres de droit. Sumptorium. Hop. Hein ? Je sacrifie de la vie pour avoir des petits blobs dégueulasses. Mais attendez, je comprends pas parce que c'est le cas même si je l'utilise pas, cette mécanique. Ah ! Oh, c'est trop marrant ! Mais du coup, c'est une F qu'on a envie de jouer avec des cœurs rouges. Donc en gros, si je laisse appuyer, je sacrifie. Donc là, il va falloir que je tape. Je sacrifie un demi de point de vie pour faire apparaître un de ces slimes. Ces slimes tire avec moi. Et si j'utilise mon objet en bas à gauche, je les fais péter et je récupère les cœurs que j'ai investis dedans. Ok. Ah mais je peux en avoir que deux max. Bien ça le bail. Visiblement. Ok. Mais non, j'en ai trois. Ah non, j'en ai bien quatre. Ah et je les replace en faisant de la merde. Attends, mais du coup il va être déplacé? Non. Ok. Ouais mais du coup là, ouais, ils peuvent mourir. Faut que je fasse gaffe à leur placement. Faut que je fasse gaffe à eux quoi, de manière générale. C'est mes gamins quoi. Juste elle est faible de base quoi. Mais si j'ai un objet de charge, c'est la méga merde. Genre Brimstone. Je dois le charger et du coup j'ai me nerfer constamment. Faudra juste que j'utilise mon objet régulièrement quoi. Burning Basement pour commencer, on aime souffrir. Le cousin là. Mais là. Du coup je spam le bouton, c'est le gameplay que je déteste ça. Ah il est pas mort. Ah si, il prend des dégâts quand même. Il a pris des dégâts contre le petit caca là au contact. On est perdu un là ou pas? Je sais pas, peut-être. Mais j'ai vraiment un Ah maintenant pourtant j'ai 4-20 de dégâts, ça, je veux dire c'est nul mais... Ah, mais j'ai un petit rate catastrophique, ok. Ils ont un meilleur tir rate que moi d'ailleurs. Non si, pareil. Ah si, réplique mes tirs, ça serait trop fort en vrai. A voir. Mais c'est un XL ou quoi? Non, c'est juste un enfer. Très bien. Oh le con. Ok. Ah, j'en ai bien perdu un dans la bataille où il est collé. J'en ai plus que 3 là, je crois. Ouais. Ah, c'est vraiment pénible, hein. Le DPS vous manque. Allez dans les flammes là, très bon choix. Quoi, si j'appuie sur espace, rien vu que j'ai pas d'objet spacebar. C'est à la place de mes cartes. Ah oui, d'ailleurs, faudra alterner avec R2, c'est chiant ça, quand j'aurai des cartes et des pilules. C'est le même délire qu'on a eu avec Tainted Judas pour ses arts martiaux là, ses arts sombres.
Une blank card donc. Pas bon ben. Les mouches. Pas la meilleure hein. J'ai tellement peu de DPS que c'est pas si mal on va dire. Ah, même avec mes 3 bombes ça suffira pas pour faire assez d'argent je pense. Déplacer où le coffre ? Des regrets. Allez tenter un... Ça peut pas être en... Ça peut être à droite. Ça peut être en bas. Un gold là-dedans? Parce que lui, il peut avoir 5. Ah, j'aimerais bien la blank card. Il y a encore une grosse salle. Et des poops aussi. Il faut que je joue avec ma mouche. Oh non, il est mort. Il est mort. Non, te bloque pas. Pourquoi je suis là? Oh le merdier. Oh, j'ai War of Babylon. Oh, et ça devient mon épée. What the fuck? Ça devient un knife. Mais faut que... Mais du coup, j'ai la charge et faut quand même pas que je charge, sinon là je meurs. Probablement. En appelant un petit pote. Ok. Quelle baisse. Essaye, je suis au début du run, certes. Mais du coup là j'ai plus. Merde, et du coup c'est rappeler mes petits potes. Oh là là le coche. Bon, on connaît la marche à suivre. Hein. Déjà on va jouer avec la mouche, hein, spoilers. Ça va être passionnant. Je suis une merde. Something's wrong. Vas-y, on va reset sur run. Pourquoi j'ai un petit couteau en plus maintenant? What the fuck? Ah, oh, je l'ai collé. Et là je meurs. Ah non. C'est parce que je suis repassé en War of Babylon. Plus j'y repasse, plus il se passe des dingueries. Attends, c'est quoi? Ah, c'est mon petit pote. Ah mais c'est juste pour la salle. Oh, c'est compliqué. Oh l'horreur. Ok, oh là là. J'adore les paix. Oh, je l'aime pas le perso. Oh, je l'aimais, je l'aime plus. Vas-y, mets-moi un basement là. Ouais. Et là, je me suis pas transformé en War of Babylon.
Là, je comprends R. Et le Sumptorium, à quel moment je l'utilise, quoi? Parce qu'il me soigne, il me les rendait. Qu'est-ce qui se passe si je l'utilise quand j'ai le couteau? Ah là, je peux laisser appuyer. Parce que dans cette situation-là, il n'y a plus d'embrouille de... Il l'utilisera plus. Oh là là. Le Delbor. Je vais mourir? Mon dieu. Ils sont tous en train de crever. Ça donne un DPS de fou furieux. Alors j'irai pas jusque là. Eux aussi. Oh, ça c'est incroyable. Donc ils prennent bien mes modificateurs de l'arme. Oh, le couche. Ah ouais, non mais... Ah, il accepte. Attends, mais qu'est-ce qui se passe si j'en fais un avec un cœur bleu? Il est pareil? Ah non, il est pas pareil. Ah, il balance des larmes blanches, les mêmes que moi. Ouais, il doit y avoir des manières de rendre ce perso monstrueux, mais wow. un peu pénible au début, hein, vu qu'elle a 0 DPS. Elle a surtout un tier rate immonde. Donc il y a les carry par ses copains, mais... Oh, je l'avais eu, ça. Ça nous filait un objet sacré. Au bout de 12 000 charges, là, on avait eu Bethléem et... Mais merde! Oh non, j'ai perdu le bleu? Non. Comment je l'avais utilisé? On s'était rendu compte, c'était débile. Je sais pas si c'était pas du DPS, je sais pas si c'était de l'utilisation d'objets, de cartes, bref. On l'a déjà eu, ce truc-là. Ah oui, peut-être ça prenait mes cœurs, ouais. On est sur un cellier, c'est un peu chiant, mais on se tapera pas de salle infernale normalement comme celle du Burning Basement tout à l'heure là. Oh. Oh, le DPS, les amis, le DPS nous manque.
Ah, c'est fini. J'ai pas de bombe. Oh. C'est con. Ah oui, du coup, c'est vrai que elle, pour rentrer dans les salles de challenge à un cœur, c'est plus facile. Oh là là, pff. Du tirail, des dégâts, quelque chose, par pitié. Bah non. J'avoue que si ça marche avec BFF, incroyable. Genre build 1. Ouais, c'est qu'il suffit d'un accident où ils crèvent tous. Et je me retrouve à poil, mais vraiment la folie quoi. Non, le bleu il est en retard. Ok. Putain, oui. Mister Mille. Stapler. C'est un peu overkill. Oh, il va me donner un cœur bleu, non? Nul, mais c'est gratuit. Pas de DPS.
Ouais, à mon avis, le familier avec les cœurs noirs, ça doit être fort. Oh, mais y a aussi des reliques et des trucs pour que les familiers soient... Oh, ça peut être dramatique, par exemple. Non! Les petits potes! Pas trop un build de speedrun par contre, hein. Par contre, il me protège bien. Quand j'ai une armada comme ça, j'ai l'impression que j'esquive certains hits. Ouais, mais genre, si t'essayes de taper The Beast ou les boss avec, avec des... Méga Satan, les boss shoot 'em up. Oh, quand je les aligne... Quand j'arrive à tous à les aligner contre un coin, ouais, du coup, je balance en mode crayon, quoi. Oh putain, oui. Allez, allez. Oh merde, j'ai pas de bombe small rock là derrière. Des dégâts et on voyage. Même si j'ai toujours pas de tier rate. Une bombe là. Les cœurs noirs, ça donne des petits potes mieux, je pense, parce que là, le bleu, il tire des larmes plus grosses, qui ont l'air plus fortes. Ah, j'ai besoin d'une bombe, ouais. Ah, mais elles me font pas mal, parce que j'ai Spider machin, là. Et aussi, avec mon truc, là, mon aiguille, normalement, je peux tous les péter et récupérer tous mes cœurs, si je le sens mal. Je vois pas pourquoi je voulerais, mais... Si, par exemple, une machine de don du sang, une connerie genre. Putain, j'ai besoin d'une bombe. Item gratos au shop. Ah oui, je suis con. Ah, mais du coup, c'est un peu tard, maintenant. Ah, oh, j'aime bien l'objet à 15. Enfin, l'objet en bas à gauche. La batterie est à 3. Attendez. Ah. Ah, mais faut que j'ai de l'argent, faut que j'ai une bombe. Obligé d'attendre, en fait. Quoique je suis pas sûr d'avoir le Devil Deal du tout, hein. Ok, partons. Ok, on va essayer de faire un blob noir. Il est là. Ouais, on le voit, il... Tire une petite larme noire, peut-être que ça fait genre effet de peur. Oh, alors lui par exemple, s'il me touche, ça peut être une dinguerie. Hein. J'ai besoin d'un cœur. Pardon, d'une bombe, j'ai besoin d'une bombe. Mais oui, Brainworm, c'est trop bien! J'avais oublié, ça se tourne vers l'ennemi, c'est ça? Merde. C'est pas clair. Ça rebondit vers l'ennemi le plus proche? Ou ça fait juste de la merde en barquette? Attends, mais il était où ce rocher marqué? Je l'ai rêvé ou quoi? Dans l'item room? Ouais. En fait, se coller dans un coin, c'est fort. Parce que du coup, tu peux... Ah, ils sont désolidarisés. Ah oui, c'est si je laisse appuyer, vraiment. Non, en fait, c'est pas si fort. À part si j'avais une range monstrueuse.
Oh là là, lui par exemple, il peut écraser tout le monde d'un coup là. Ah, c'est bien du fire shot les cœurs noirs. Oh, c'est fort. Au secours. Oui. Faut les toucher par contre. Faut le toucher là. Oh, le knockback. L'effet de peur encore. Oui, le vieux pansement, c'est pop du cœur rouge, c'est vrai. Enfin, je veux pas de la machine de machin. La bombe, à la limite. Un peu osef, mais... pas le moment. T'es armé de blob. Ah, faut que je fasse... J'ai envie de tester mon aiguille hein, en me disant peut-être si j'en ai plein ça fait quelque chose de différent, mais je suis à peu près sûr que ça va juste tous les détruire. Je suis pas totalement à l'aise avec cette idée, comme faire cette challenge room. Ah, j'ai démerdé là-dessus. La troll bombe. Il y a plein de dangers maintenant. C'est bien, hein. Je pourrais faire des blobs bleus, mais là j'ai juste le blob noir qui fait fire shot. J'ai quand même gardé mon bouclier de cœur bleu. Mais surtout, ce qui est l'info importante, c'est qu'elle prenne mes modificateurs de l'arme, donc ça peut snowball hein, dans un truc stupide. Boss ou secret. Oh non, pas des mini-pains. Mais les araignées sont mes amis. NP, grâce au spider sac là où je sais plus quoi. Oh, il manque de la range. Oh, ça va être pénible. Ah, mais le DPS commence à être fou parce que j'en ai beaucoup trop. Ça, voilà. Ça peut être terrible. Ah, ça meurt en boucle, là. J'en ai perdu 12 milliards. Mon kippo, c'est quand je suis sur le point de vraiment crever, pas juste j'ai pas de cœur rouge. Sinon ça me permettrait de dropper du cœur bleu et noir, mais je pense que c'est vraiment quand on est proche de la mort. Allez, aiguille. Ah oui, dans ces cas-là. Tant pis. Salaud. Ok. Oui, c'est vrai que j'oublie, je peux voler au shop. Alors, rien de trop intéressant cependant.
Je me rebuild des sbires. Un tir roaming, non, c'est l'espèce de brainworm qui redirige mes tirs vers le prochain, j'ai l'impression, qui fait faire des angles, mais c'est rigolo. Un peu roaming du pauvre. Secours. Le bel incubus. Profitons-en. Tant qu'il est là. Ah bah voilà. Ah oui non mais il faudrait vraiment que... Attendez. Oh, j'espère que je suis pas en train de faire une énorme connerie. Ah oui, Belial plus couronne, c'est un énorme damage up, c'est ça? Ah, ça le lance quand même! Ah ouais, non, non, j'ai voulu les réabsorber parce que... plus que la peur de mourir, c'était la peur de perdre tout le monde. Ça. Parce qu'il y avait beaucoup trop de larmes. Celui-là, il va être pénible par contre. Ouais, c'est la deuxième phase qui va être un sale bail. 1, 2, 3. Non, au secours. C'est chiant. Vraiment? Mais c'est super sympa. En termes de DPS que ça me donne vraiment le Book of Belial. C'est juste le fait de l'avoir ou c'est à l'utilisation? Ah non, c'est à l'utilisation que la synergie s'effectue avec la couronne. Ah, le Monkey Paw, du coup, il y aurait moyen de l'abuse. Ah merde, mais j'ai pas laissé de flamme, je suis trop con. Il y a la Curse Room. Ah, pas sûr. Di-du-du-du. Attendez. J'avais pas vu qu'il y a, j'avais oublié qu'il y en avait une là, j'aurais pu me faire tout de suite 4. Ah. Item au moins, oui, on va la chercher, on va la chercher. Two of clubs.
T'as la baie, j'ai quand même dû faire le challenge, quoi. Mais au moins, on peut y rentrer. Jouer la manette, ouais. Ah oui, j'ai Link Buzz grâce au Monster Manuel, mais il va disparaître. C'est tous les tâches que ça reste, les monstres du Monster Manuel. Putain, c'est fou. PMA, hein. Pressé. Non, non, non. Au secours. Superbe. Combo avec mon Kipo. Non, vous m'intriguez, vous savez quoi? Je pense que oui, ouais. Ah mais ça se trouve j'ai même pas besoin de me faire mal pour que mon Kipo fonctionne dans... Peut-être que quand je fais mon dernier familier, il pop. Ah mais si je dois faire la démarche à chaque fois, waouh, what a life. On va se faire chier. Que je me prenne volontairement le dégât. Oh, c'est chiant. Attendez. Bon, on est là pour faire les expériences, n'est-ce pas? Je regarde 100% des PV. La perte ensuite elle intervient si bah, entre temps j'ai perdu des blobs quoi. Moi j'ai peur que eux ils se prennent les dégâts de la Curse Room et là ce serait ridicule. Ok. D'arnaque. Ok. La partie qui va durer 2h30. Je sais même pas ce qu'on vise d'ailleurs. Ah, déjà on a ignoré les niveaux d'anti-burst. Ça pour 1,5 coeur, eh oui. C'était worse. C'est tentant d'avoir les cœurs, les tirs qui font mon fear shot, enfin les fear shot. Non, je n'ai pas envie de Curse of the Tower. Et de dropper 12 000 bombes quand je me fais toucher.
Ok. Et il me restait une carte intéressante ou pas? Pas vraiment. D'accord. Les bouquins de Bélial, non. Non. Ensuite, j'ai des cœurs pour un Akel Game, mais c'est intéressant d'avoir des cœurs rouges finalement avec elle. Contrairement à l'autre Eve. Oui, si j'ai peut-être un level deal. Oh là là. Oh, c'est courageux ce que je fais là, peut-être. Don't die, friends. Je vais se débarrasser des affreux là. Oh, c'est nul. Un peu de pitié, de grâce. Worst PhD. Worst PhD, c'est tentant, hein. J'ai pas beaucoup de pilules là, dans le grain j'en ai aucune même je crois. Guppy, j'ai pas eu d'objet de Guppy. J'ai pas beaucoup de clés. Ah, c'est pas la folie. Parce que si je me prends du tears down, ça va se voir. Hein. Oui, je sais que j'ai mis Stormy, là n'est pas le problème. Du 0,95 de dégâts quand même, hein. Fait plaisir. Est-ce qu'on le prend quand même ce Guppy's Tail? Si ça synergise Guppy un jour, c'est fou, mais... Hey, pour l'instant, j'ai fait que voler, c'est ça? Oui, j'ai volé Betrayal et j'ai volé... C'est-à-dire que je peux encore avoir des Angel Room. Non, plutôt ça, alors. God Rooms. Sacred Heart, c'était incroyable. Boss ou Secret Room. Ok. C'était juste à côté, quelle arnaque. Non, non, oh là là, je perds trop de monde. Oh là là, oh là 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 là. Je crois que j'ai perdu un noir. Ouais, j'ai perdu un slime noir. J'en avais au moins deux, je crois. Aïe aïe aïe. Terrible. Oh là là. Oui, Betrayal, c'est ils sont tous charmés, ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est pas une dinguerie non plus. Putain, mais c'est les Mister Pin, là, les mini pins, c'est vraiment trop chiant. Tout... Oh. Merci. Et merci. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'à partir du womb, ça va coûter cher? Faites pas les cons. Plutôt nice. Hein. Ah mais imaginez si j'avais un gros objet de dégâts bien stupide là.
C'est game, hein. Attention à ça. Vraiment. Reviens là. Si c'est les bonnes tirs, putain, j'avais peur que ça soit le revenge. Ah, c'est excellent ça. Oh, j'ai pas envie de tout débuild pour aller chercher les bombes. Oh, le plan cul. Oh non, chiant. Ok, je connais pas l'objet à 15. La suite droite. C'est vrai que ça rime à rien de dire ça. Il y avait une batterie, non, quelque part? Non, je l'ai rêvé, la batterie. Pas de soucis. Non, mais c'est trop chiant, parce que ça, c'est des trucs... Attendez, est-ce que... MLG eSports... C'est chiant. J'ai pas envie de tout ravaler. Ok, go. Je crois que c'est rentable, hein, mais... Faudrait que je les ravale tous, et déjà j'en perdrai au change parce que j'ai trop de bleus, je crois. Et il faudrait que je les refasse, enfin c'est évidemment que... Ouais, c'est vraiment des parties de 2h30 quoi. Oui, je vais aller le prendre le truc, c'est juste que je peux le voler, je vais voir si je le vole ou... Selon le nombre de salles. Ils prennent pas les pics. Oh! Oh non, mais c'est incroyable! Oh là là, oui, d'accord! Oh putain! Oh là là, je respire! Je respire la vie! Ok. Ah oui, c'est énormément de stress en moins, ça déjà. Ok. Ah, trop marrant. Ok. C'est cher parce que... Ah non, oui, c'est... On avait déjà vu ça. Oh là, la boussole, là. Je volerais bien la boussole, par... Ah, pardon. Je voulais juste prendre le cœur. Oui. C'est chez Chalençon. Attendez, mais ou bien j'achète. Ah, un petit pot de blanc, vous pensez qu'on peut sacrifier le cœur éternel? Peut-être. Mais c'est pas... J'ai pas en... C'est pas un truc que j'ai envie de faire. J'ai quand même le bombé lui, parce que ça se trouve... C'est pas le même pool de mendiants, et on va se faire plaisir. Faudrait que je trouve un vrai... Un vrai mendiant. Un bagarre. Parce que si je l'explose, ça me donne vraiment beaucoup beaucoup de chance hein. En plus. C'est des pins, c'est quoi? C'est horrible. C'est sûr, y'a personne? Y'a personne. Ok. C'est très rare ça, non? Même pas de pique, de piège chelou. Ok. Je l'ai faite. Ah d'accord, je suis juste amnésique. Très bien, merci à vous.
Ça par contre, oh non, ils vont tous mourir. Oh, oh les Jedi. Allez, revenez, revenez. Ok. Pas de panique. Pilules. Ah oui, c'est vrai, j'ai le pilule. J'ai le fake PhD. Attendez, parce que c'est plan cul, ça. Bon bah j'espère qu'ils prennent pas non plus ces... ces pics-là. Et putain, j'en ai bombé un, idiot. Urf. Ah oui. Et ils jettent un IPK, mais Osef. Mais non, ok. Franchement, je le prends, c'est trop fort. Mais c'est vrai qu'on est en constant slowdown. Oh oui, le voilà mon bagarre. J'ai 36 balles cependant. On va peut-être jouer... On pourrait lui filer de la thune. Je crois que j'ai vu que j'ai déjà tué deux types de mendiants. Si je fais celui-là, Secret Room, si je le tue lui. Cœur blanc à bail. J'ai le Worst PhD, qui est un nouvel objet. Et en gros, toutes mes pilules puent, mais quand je les utilise, je gagne des dégâts. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc là, ça devient fort. Merci Homer Simpson pour le host. Merci Heroic Prod pour le Prime. Fildes Doudim. Merci pour les resub Telos 100, Broken Hammer 29. Yo, Pawa. Faut pas le tuer si tu veux Angel Room? Comment ça? Bon. Ah oui, ce mendiant là, ouais, je sais plus. Bon, de toute façon, on va aller drop un objet. Peut-être que le cœur éternel, je le prendrai, mais je n'ai pas tant envie que ça, pour être honnête. Il va me dépouiller, hein. Je les déteste. C'est officiel. Il va juste me dépouiller. Ah oui, parce que j'ai la tirelire, c'est pour ça que je faisais masse de thunes, ok. Et j'ai surtout la stopwatch, donc c'est vraiment trop confortable, quoi. Par contre, le combat contre Mom, ils vont tous crever un par un. Oh là là. Oh, le sale bail. Oh oui, oui, l'effet de peur. Oh là, faut y aller, là. Faut envoyer tout, là. Oui, oui. Envoyez tout ce que vous avez, là. Magnifique. J'ai jamais vu un The Cage mourir aussi vite. J'adore. Putain, j'ai... par contre, ça... Shot speed down. Plus 1,45. Ah, quand c'est une nouvelle pilule de mort... J'ai 10 de dégâts. Ok. On va essayer de voler le cœur éternel. Peut-être plus la stat est basse. Honnêtement, shot speed, ouais, je trouve que c'est le truc le plus sacrifiable. Mais putain, ça m'a fait les 1, c'est insane.
Et ça aussi. Coup dur. Une batterie? Non. C'est pas trop grave. J'ai un truc à récupérer dans... Bah ça. C'est cool. Ils volaient les petits cons. Oh, insane. Ah ouais, c'est fort. Est-ce que je l'achète? Quand même bien rush, hein. La science du type de tir. Ah non, mais je vais pas le. Je pense pas que je vais le sacrifier. Et de toute façon, ça serait sûrement le dernier truc. On peut tester un. Ah non. Ah merde. Donc j'ai un blob blanc. Il doit faire des secret tears. Ah putain. J'ai acheté mon blob blanc 21 balles. Horrible. Ok. $15. C'est cher en tout cas. Ah oui, mais si je le dé... si je l'avais ra... si j'avais tout ravalé. Ouais, mais non, j'ai trop de trucs, c'est chiant. Item room, boss, bah item room. Forget me now. À méditer. Je sais pas si je claque mon The Sun maintenant ou je me dis que pour les... la suite c'est quand même bien de l'avoir. J'ai la boussole donc... Putain, et surtout on a le slowdown quoi, ça c'est incroyable. Hein. On est gâtés. Une petite dingue là. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Oh, les DPS sont présents maintenant. Quel plaisir. Ah, ils sont allés dans le feu, les cons. Ok, c'est bon. Hein, donc là, je peux faire cette room-là si... Si je perds un peu de vie et si j'ai une carte de TP, c'est pas inintéressant de se faire chier à tout, faire chier à faire toute la démarche horrible. Les absorber. Ça, c'est le brainworm, c'est vraiment cool hein. Ce qui serait fou c'est de voler aussi hein. Faut pas se le cacher. Heureusement, hein. Heureusement qu'ils prennent pas les pics, sinon ça serait un coach. Ah non, c'est bien ça. Le mendiant, ça donne des chances équivalentes de God et de Angel. Pourquoi je doute? Ok. Si les potes volent pas, ça risque d'être un handicap. Ouais, bah ouais, typiquement, les salles où moi,
Enfin, il vole, donc on sait. On le sait qu'il vole maintenant, donc il faut juste que je trouve le vol. C'est vraiment trop fort. Parce que j'ai utilisé Easy Hangman et ils ont volé, donc. Ah, mais c'est pour tout le run! Ah non, mais c'est vraiment fort en fait! ¥74 pour avoir le champignon de la drogue qui rend ouf. Non merci. Ça marche ici les soldes aussi, hein, j'imagine, il n'y a pas de raison. Oh, c'est une aubaine. Une affaire. Ok, on est maintenant à 90%. Moite-moite God ou Angel. C'est pas l'idiot, je t'en supplie. Il fait l'idiot. Attendez, c'est Mom, faut que j'achète mon Soul Heart et compagnie là, ok. Non, c'est pas une salle d'aggro, c'est ce que je craignais. Deux secondes. Acheter la batterie quand même. Non mais j'ai pas le choix en fait. Dac. Secret room peut-être. Ça peut être en bas, ça peut pas être à droite. Ça peut être en bas. Avec Exeker's room. Ah ouais, c'est Gucci ça. C'est là. Quoi que c'est l'autre choix m'a amené à la challenge room. La challenge room que je peux toujours prendre si je les sacrifie tous pour les réabsorber derrière, mais un peu saoulé. J'ai récupéré le luck que j'avais perdu. Oh merde, on n'a pas pris Guppy's Tail, c'est ça? Mais on a pris le Worst PhD. Et c'était vraiment trop bien. Là j'ai le choix de me faire plein de petits potes bleus et de Guppy's Paw derrière. Mais on trouve beaucoup plus facilement des cœurs rouges. Non, je ne prendrai pas le champi. Ah, quoique, il donne peut-être la transfo. Il y a une transfo mush. Je crois qu'elle était un peu nulle, mais j'ai eu aucun autre mushroom. Ouais. Ah, il y a Forget Me Now aussi, ouais. Le crâne marqué, ouais, mais je sais pas si j'ai envie de faire. Enfin, tout dépend. Il faudrait que j'ai le vol. Si j'ai le vol. Je sais que j'ai Forget Me Now. Faut que je réfléchisse. Est-ce que je veux Guppy? Mais j'ai mis Stormy, donc je sais ce que je veux faire en vrai. La méga Satan, oui, c'est vrai. Et du coup, il faut pas que je forget me now. Quel dommage. Forget Mina pour Apollo est négatif. Ouais, mais j'ai envie de faire valider Mega Satan si possible avec
Réflexe perso. Ça va être tendu, mais... Revenez vers moi. Revenez, revenez. On est ensemble, on est ensemble. Oh. Oh oui. Je me demande même si on prend pas le Polaroid du coup. Enfin, si on n'active pas le Polaroid en le prenant naturellement. Non, ou on prend. On le vole et on prend la croix de merde naturellement. Ah, c'est ça le move. Je pense. La croix sans cœur, ça sert à rien. Ah oui, mais je m'en fous parce que les cœurs, je les vide moi-même. Regardez comme ils sont trop cool, mes petits potes. Youhou! Et on peut toujours avoir des Angela, des Godroom. Boss direct. Ouais. Oh, Scolex. Scolex, ça le bail. Collez-vous à moi. Monte ton huc. D'accord. Monte ton huc. Non. On se recolle, on se recolle. Easy. Ça va être beaucoup. Oh, ça va être dur de pas tous les perdre là par contre. Surtout avec le vomi à la fin. Faut que je recharge mon mi. J'ai fait l'erreur juste avant là. On va aller voir ce qu'il sait ce mini boss. Mais du coup, le vortex il disparaît, évidemment. J'avais oublié ce détail croustillant. Bon bah, c'est parti alors. Attention. Ah, mais on vole. On vole, on s'en fout. Et on a les larmes spectrales. Ah, oui, non, mais c'est. C'est festival. C'est vrai que c'est festival d'un coup là. Voulez, hein. Toujours là, hein. Notre blob éternel, magnifique. Faire cette challenge room, j'ai beaucoup trop de... Non. Beaucoup trop de blobs rouges, ça serait idiot. Magnifique. Eh les gars, crevez pas un... Pourquoi vous êtes de l'autre côté? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me détestez? NP, NP, NP. Allez, on se colle, on se colle, on se colle.
On se colle vraiment. Le lock plus 10 encore. Lock plus 10, c'est marrant parce que je me fais très peu toucher vu qu'il me protège aussi. Mais c'est trop fort mon truc là. Deuxième objet de Guppy. Le problème c'est que j'ai pas lâché mon Mr. Me, donc ce que je dois focus, c'est ou bien je décide de prendre les deux. Ou bien je prends Atame en... Troisième objet de Guppy, comment ça? J'ai eu Guppy Spo, et c'est tout. J'ai perdu mon blanc. Oh, j'ai perdu le blob éternel. Quel dommage. J'ai pas pris la taille, non. Compliqué parce que ça, tous les cœurs rouges me donnent des blobs gratos, je pense que je suis obligé de deny tout. Et une batterie, oui, mais qui me donnera que deux. Non. Il y avait juste prendre Guppy pour pré-shot. La luck, ouais, non, mais je vais me faire toucher contre Isaac. En fait, cet objet-là, il est incroyable si t'arrives à l'emmener au chest. Parce que t'arrives au chest avec 10 de luck. Et là, c'est coffre à toutes les salles. Et je pense qu'il y a très peu de scénarios où on se fait pas toucher, quoi. Vas-y, on essaye. Tant que tu gardes un cœur rouge, c'est on. Ah ouais, j'aurais dû prendre Atame alors. Bon, c'est pas grave. Le plan Huck, je veux pas. C'est loose. C'est marrant, je pensais que j'avais très peu de range et finalement... on est très très bien. Hein. Mais c'est parce que j'ai eu un slip entre temps qu'au début, non? J'ai une connerie? Non, même pas. Si, j'ai eu le slip. Ça, c'est marrant, c'est le Holy Mantle au début de l'étage. Pas du tout dans l'abus. On n'est pas du tout dans l'abus ici. C'est rigolo parce que le build est surpuissant. Il suffit du mauvais ennemi, d'un vomi de méga Satan ou je ne sais quoi. Et tout d'un coup, le build il passe de God tier à Basement 1 tier. Ensuite, on peut toujours essayer d'avoir le réflexe incroyable de tout avaler, tous les ravaler avant de se faire toucher, mais c'est loin d'être une certitude.
Je sais même pas si elle est bien placée. À chaque fois, je me... Je suis confus sur le placement. Le dernier choix, bien sûr. Et du coup, ces salles-là nous servent. Et ça, ça fait plaisir. Pose le A+ pour Isaac. Ah ouais. Ah con. Aïe. Mais là, c'est terrible. Faut qu'on ait de la moule. Va pas là, s'il te plaît. Oh, il est allé là. C'est bon, c'est moi qui ai tout pris. NP. Oui. Surtout, on a le slowdown hein, de la stopwatch, donc c'est vraiment broken. Normalement, ça fait pas l'embrouille. Quel perso ça c'est Tainted Eve. Version repentance alternative de Eve. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc immonde ? On l'a pas déjà eu ? J'ai hésité à les casser. C'est comme ça que je perds mes 10 de luck. Oh non ! On aurait pu avoir 12 000 objets.
Ouais, la prise de l'objet m'a repoussé. Ah bah là, ça va être la mort. Pour avoir des objets, je pense. On va même arrêter de farmer, je pense. Et se diriger vers le boss. C'est con. On n'a pas de, d'overload de l'encoding. Croyez-moi, c'est pas un, mince exploit. On est pas mal là, ça. On est pas mal dans le run. Mais si j'avais gardé mes 10 de luck, j'aurais fermé tout le chest et là on aurait eu, on aurait pu vraiment snowball avec un build. J'aurais pu terrasser Mega Satan en 2 frames. Je suis pas si inquiet que ça, hein, bien sûr, mais comme j'ai dit, je pense qu'une mauvaise attaque de Mega Satan peut vraiment nous faire virer la moitié de nos potes. A voir. Le seul truc qui me fait peur. Ah, y a plus de coffre qui drop du tout là, quoi. Ensuite, rien que pour cette pilule, ça vaut le coup de continuer. Un magician va être formidable contre Mega Satan. C'est un peu absurde à voir. Ouais, on aurait droppé un des coffres une salle sur deux, je pense. Là, on en a plus droppé du tout, quoi. Oh, oh le bowling. Ok. Le Tony, faut que ça vienne. Ok. On se garde lui à la fin, il va me donner une carte, non? Des clés? Peut-être. Oh non! Ils sont split. Toujours surprenant ça. Oh putain, attention, oui. Hop, on en rajoute deux. Les Pikmin ont une box, oui. Toujours plus. Ça, c'est un bon build. C'est un bon build no water cooling, no ventilo, ça. À tester. Hein. Ok. Magic Finger, ça peut être un spam assez drôle. Magic Finger, ça, c'était... Il y avait... Je sais pas si l'on nerfait, mais avec IPK,
Et de l'argent, c'était free win avant. En gros, c'est je dépense de l'argent et ça fait ma stat de dégâts en AOE sur toute la salle. Ensuite, là, j'ai que 12. Hein, c'est pas si puissant que ça. Mon dégât, il vient du fait que j'ai 12 000 ads. Dommage pour la luck, hein, quand même. Ok, hop. Le mendiant. Oui, on peut. C'est vrai que s'il me balance des coffres et si ces coffres me donnent des objets en mode the chest, quoi. C'est une dinguerie. Ah, mais du coup, j'ai 0 de luck. Tout à l'heure, j'avais 9 de luck, quoi. Bookworm ? Ouh ! Vous avez tous des chances de double tir, du coup ? Ok. C'est à cause de la Bible satanique que ces deux coffres ont été rouges. Ce serait intéressant comme info, ça. Go. Magician. Seoming. Oula. Le jeu comprend que ça va être compliqué. Allons-y. Allez, faut pas les perdre trop vite. Faut pas en perdre trop vite. Oh là là, c'est honteux. Oh la vaporisation. Oh putain, filez-moi un délirium, je vous en supplie. Link, yo. Oh là là. Ouais, là, voilà, typiquement, c'est ce que je voulais éviter. On attend un peu, on balance vers le haut. On revient. On se colle. Parfait. Ah non, mais revenez, c'est ridicule. Ok. Delirium. Oh, oui. Lockdown ? C'est d'accord. Lockdown. La pilule à cheval. Là, c'est sûr, c'est pas Delirium. Ça fait 8 ans que je joue au jeu. Ok. Très bien. Regroupez-vous, bordel de merde. Oh, j'en ai perdu beaucoup. Oh, j'en ai perdu énormément. Ok, on va laisser appuyer. Allez. Faut ancrer. On en crée des meilleurs normalement avec le bleu. Ah, le problème c'est qu'il voilà, il est calculé sur mes dégâts. Hein. Il encaisse quand même. Oula, attention. Il y a trop de projectiles, c'est chiant. Attendez, mais faut que j'arrête là. Ouf. Enfin, pas de panique. Hein. Si je sens que je vais mourir, j'appuie sur R1 et je récupère tous mes points. Sauf que ça sera du gâchis parce que les cœurs rouges. Enfin, les petits rouges, j'ai plus de cœur rouge, j'en ai qu'un, donc ça sera le gâchis.
Donc faut quand même essayer de gérer le fight. Chiant là. Il est où son death de malheur là? On se regroupe les gens. On se regroupe, j'ai dit. T'es où Michel? C'est un bloat? C'est quoi? C'est plein de choses. Au secours! Au secours. C'est quoi la carte? Je veux le savoir. Vas-y, claque là. Tiens. Ah mais non, mais tout arthurien ça donne rien. Moi ça... Oh ok, je suis à quel point dans la merde? Je suis pas mal dans la merde. Au secours. Est-ce que c'est le moment? Non. Fais chier toi. C'est quoi ça? Dommage. Aïe 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 aïe. Ouais, ça va le faire. Mais c'était moins anecdotique que Mega Satan tout de même. Oh putain, le con. Oh le con, le con. Oh là là, heureusement, j'ai repensé à faire R2 parce que sinon, si je paniquais et que je voulais récupérer mes cœurs, j'allais faire un The Fool. Et là, c'était... La Théon. Ok. Ok. Bon, mais c'est long. Putain, s'envole ce fight, c'est... C'est un délire. Hein. On n'a pas Carrion Queen. Ok. Et c'est parti pour le méga sbeul. Oh l'enfer. J'en ai plus beaucoup. J'en ai vraiment plus beaucoup. J'en ai plus du tout. J'ai crevé. J'ai quoi comme bombe? Incroyable. The Fool. Ouais non. Ouais j'aurais pu... Putain c'est fou. Oh là là, on a tellement tartiné Méga... Méga Satan et lui il m'a mis ce que je méritais quoi. Incroyable. C'est bien ce que je craignais. Car si on les tartine pas, eh ben ils nous tartinent. Parce que tous les hats se font défoncer et on a plus de DPS. Bon. Ça reste un unlock Momzart, Isaac, Blue Baby, Mega Satan. Mais dommage. Oui, voilà, les shielded... Si on avait eu les Shielded Tears, alors là... Festival. On aurait pu contrer les tirs. Mais là, c'était pas le cas. Puis... 2h20. Putain, je suis tellement crevé. 253 secrets. Bravo. Bravo. Ah oui, finalement on a débloqué qu'un truc. Mais attends, j'ai débloqué un truc là. Non, c'est hors spill que j'ai débloqué, ok. Incroyable. Amitié YouTube, amitié.